Steven! Hein? Je le savais! Tu as recommencé à gonfler et tu es encore tout rose. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais je suis venue quand j'ai vu cette image! Steven est là pour aider! Steven est là pour aider! Steven est là pour aider! On peut savoir ce qui se passe? J'ai découvert que je pouvais retransmettre mes pensées sur les écrans, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. D'accord, mais j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Steven est là pour aider, Steven aider, Steven est là pour aider, Steven aider. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Je vais bien, je vais beaucoup mieux. Souviens-toi, t'étais avec moi quand je me sentais mal. Steven, si tu tiens vraiment à rester comme ça, alors tout le monde te soutiendra à 100%. Tout ce qui compte, c'est que tu sois heureux. Mais si tu vois que quelque chose va pas et que tu te sens malheureuse... Y a aucun souci. Je t'assure, t'as aucune raison de t'inquiéter. On est tous inquiets pour toi. Steven, tu pourras toujours compter sur nous pour t'écouter. C'est loin d'être aussi facile. Laissez tomber, j'ai pas envie d'en parler avec vous. Attends, reste avec nous. Steven, tu peux pas passer ton temps à t'enfuir. S'il te plaît. Steven, on ferait mieux de te ramener à l'hôpital. À l'hôpital? Quand est-ce que tu as été à l'hôpital? Tu leur en as pas parlé? C'était... Je vous assure que c'était pas aussi sérieux que ça en a l'air. Je comprends pas pourquoi vous en faites toute une histoire. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Bien sûr que oui. J'ai détruit un bâtiment aujourd'hui, j'ai brisé une enclume, ça arrive à tous les adolescents, non? Papa et moi, nous nous sommes un peu disputés, mais c'est normal qu'un père se dispute avec son fils. Après tout, c'est le contraire qui serait étonnant, vous croyez pas? D'accord, j'ai peut-être pu avoir une ou deux pensées destructrices, comme par exemple, j'ai eu envie d'anéantir Diamant Blanc ou alors de l'étouffer avec mon oreiller. Mais bon, c'est pas comme si j'avais eu l'intention de passer à l'acte. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir pulvérisé Jaspe. Quoi? C'est une plaisanterie, pas vrai? Non, c'est pas un souci. J'ai tout arrangé. Pour arranger les choses, je suis toujours là. Je peux faire autant de dégâts que je veux et réparer tout ce que je détruis sur mon passage. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter pour ça. Steven. Comment j'ai pu en arriver là? Ça fait une éternité que je dois vivre avec ce secret. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que je suis capable de faire. Vous pensez que je suis géniale, que j'ai une grande maturité et que je prends toujours les bonnes décisions, mais vous avez tout faux! Je suis incapable d'apprendre quoi que ce soit de mes problèmes. Ils n'ont fait qu'aggraver mon cas. Vous avez toujours pensé que j'étais un ange, mais l'enfant que j'étais n'existe plus! Je suis un imposteur. Je suis un imposteur! Je suis un monstre!